I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je suis trop contente de faire puisque vous allez passer petit vlog avec moi au bord de la plage au Portugal. Je suis toujours au Portugal, je pars demain, mais du coup ça nous laisse deux jours pour voir un petit peu la plage, pour lire. Notamment je suis en train de lire Better Than the Movie de Lynn Painter, publié chez les éditions Comet, qui est du coup traduite de l'anglais. Et déjà le livre est magnifique, je l'adore. Et j'avais trop envie de lire ce livre au bord de la plage et j'avais pas envie d'attendre, donc je me suis dit un week-end c'est parfait pour le lire. Donc vous allez le découvrir avec moi, ou alors si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions avant que je vous donne les miennes. Pour le moment j'aime plutôt, je trouve que l'écriture est pas forcément fluide, je sais pas si c'est une question de traduction, mais sinon au niveau de l'histoire j'accroche plutôt pas mal. On suit Liz qui adore les comédies romantiques, c'est un truc qu'elle partageait avec sa mère, sauf que sa mère est décédée. Elle va se retrouver à être un petit peu seule au milieu de ça. Il y a son voisin qui croit pas du tout aux comédies romantiques, qui lui pique tout le temps sa place de parking, mais qui aussi lui a fait d'autres crasses pendant qu'elle était petite. Tu sens c'est un petit peu une rivalité de quand ils étaient jeunes, où il n'y a pas vraiment de enemies to lovers, mais il y a cette petite rivalité entre les deux qui est plutôt sympathique. Et de ce que j'ai vu, j'aime déjà plutôt bien Wes, donc qui est le personnage masculin. Et Liz va avoir une idée de demander à Wes, donc son ennemi, de conquérir son crush, qui est d'autre que Michael Young, je crois. Ouais, pour ce faire, du coup, elle va demander à Wes de l'aider, et Wes va demander une contrepartie, qui est d'avoir la place de parking tant de séjours. Et voilà, et je pense que c'est une petite romance entre les deux, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ce type de couverture, et même ce type de livre, donc ça va être sympathique. À côté de ça, je vais toujours vous parler des autres livres que je lis, vous me connaissez, surtout dans ce genre de vlog. Je lis deux services presse en e-book. Donc le premier c'est Dans ton regard des éditions Ciblog, qui est une romance contemporaine avec un petit peu milliardaire, donc la trope riche pour, et la jeune fille elle est serveuse dans un bar, et à un moment le jeune homme va s'intéresser à elle, elle va commencer à discuter avec eux, le courant va passer, sauf qu'elle va avoir cette idée que lui l'a oublié. Et en fait pas trop, et je pense qu'ils vont se rapprocher. Ça a l'air plutôt sympathique de ce que j'ai vu, en tout cas c'est vraiment plutôt bien écrit. Enfin je veux dire, il y a pas mal de descriptions, on met du temps à rentrer dans l'histoire etc, ce qui est des fois moins abrupt que certaines romances contemporaines où directement les deux protagonistes se connaissent etc et ça part. Donc à voir ce que ça donne. Et aussi le deuxième service presse c'est Et tomba la rose de Arnaud Evans, qui est aussi donc un auteur autopublié. Là on va être dans quelque chose de beaucoup plus sombre, qui est de la dark fantasy, dark romance. De ce que j'ai vu, effectivement c'est plutôt hard. Dans cette histoire on va suivre du coup Aaron, qui est notre personnage humain et qui va se retrouver à être au centre d'un secret qu'il ne devrait pas connaître, et certaines personnes vont vouloir l'éliminer. Et du coup on va un peu le vendre à ce fameux vampire qui va venir le chercher une nuit. Surtout que bon, il est pas hyper cool le vampire. Pour le moment il me fait un petit peu peur, mais il s'appelle Elijah. Donc ça me fait vraiment penser au vampire dans The Vampire Diaries ou The Original, le Elijah en question. Et c'est un peu comme ça que ça commence. Donc forcément plein de trigger warning. Donc là je vais m'installer, je suis sur la terrasse. On a une superbe vue sur la mer, donc c'est trop cool. Donc je pense que je vais m'allonger dans un transat et lire s'il n'y a pas trop de vent, parce qu'il y a un peu de vent comme on est en juin, mais je crois qu'il fait à peu près 18-19 degrés. Au soleil ça va, mais à l'ombre il y a un petit vent frais, mais j'ai pris un sweat au cas où s'il y a trop de vent. When will you come through? Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. Ah.
Ce que j'adore chez Wes dans ce livre, c'est que tu vois, toi, tout ce qu'il a de bien et que l'autre gars n'a pas, donc Michael Young, parce que vraiment, genre, il a des petites attentions envers Liz. Je pense que ça va finir comme dans les romans de Alia Hazelwood avec notre protagoniste masculin qui avait déjà un flash sur la protagoniste féminine. C'est pas évident, hein, mais peut-être que ça va finir comme ça. Et franchement, c'est une de mes tropes préférées. Enfin, c'est pas vraiment une trope, mais c'est un des scénarios de romance que j'aime vraiment le plus quand, en fait, c'est le mec qui est vraiment à fond sur elle depuis qu'il est petit, et enfin, depuis qu'ils se connaissent, en fait, et il ose pas le dire, etc. Et là, c'est vraiment le moment où, alors qu'elle est sur quelqu'un d'autre, ou alors qu'elle l'a mal compris, bah... c'est le moment où il va lui dire que si, quand même, il s'aime bien. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup et j'aime le fait que Wes... j'aime le fait que Wes, il a vraiment tous les bons côtés. Et ça, c'est vraiment bien fait. Je continue. Je vous annonce que Pesto vient d'être adopté, c'est émouvant. Pesto, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le basilic que j'avais chez moi au Portugal, enfin à Bragance, dans mon appart. Là, je suis toujours au Portugal, mais du coup, il vient d'être adopté ici, donc c'est cool. Your ocean eyes on fire. Pour rentrer, pour prendre l'avion et rentrer en France. Je reviendrai au Portugal pour mon dernier examen fin juin, mais sinon c'est un petit peu le départ. Et c'était trop bien la plage, vraiment. En plus aujourd'hui il faisait vraiment beau. J'ai pas encore fini Better Than The Movies, mais je continue à vous prendre pour vous en parler. One.
Bon, je vous retrouve, le week-end est passé vraiment trop vite. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de vous faire une fin et de vous parler vraiment de Better Than The Movies que j'ai fini dans l'avion, que je suis trop contente d'avoir lu. Je vous avoue que le début, j'étais un petit peu mitigée parce que il y avait cette écriture un peu young adulte, pas forcément fluide, qui m'a posé pas mal de soucis. Et ensuite, au fur et à mesure des pages, là où Wes, donc le personnage masculin, ne me faisait ni chaud ni froid, est devenu hyper, mais hyper attachant. Et surtout, je trouve qu'il book boyfriend parfait, ce qui est cool, mais aussi au niveau adolescent, au niveau des messages, du respect, de la bienveillance. Wes, c'est le garçon peut-être un petit peu, pas le premier auquel on pense, mais qui va avoir tous les bons réflexes, peut-être un petit peu trop parfait pour être hyper réaliste. Donc on reste vraiment dans ce délire de un peu comédie romantique, qui reste une comédie romantique. C'est hyper young adulte, donc il n'y a pas de scène explicite si ça vous intéresse. Et c'est hyper mignon, c'est vraiment, ça respire juste tout ce qui est cool d'une comédie romantique, tout en étant assez moderne, et franchement c'est trop mignon. À la fin, j'avais vraiment les larmes aux yeux pendant le vol. Je sais pas si ça s'est vu sur les vidéos, mais il y a tout un passage où elle va avoir des discussions assez importantes avec ses proches, avec sa meilleure amie, avec sa belle-mère, avec Wes bien évidemment, où elle va vraiment parler d'elle, quelque chose qu'elle avait du mal à faire au départ, notamment vis-à-vis du fait qu'elle a perdu sa mère. C'est pour ça que certes c'est une romance, et la romance est vraiment au cœur du livre, mais c'est aussi un contemporain dans sa façon d'évoquer les sujets, notamment donc le deuil, le départ vis-à-vis du fait qu'elle est en terminale, qu'après elle va partir à l'université, de sa relation un petit peu qu'on entrevoit avec son père, de sa relation aussi d'amitié avec les autres protagonistes. Franchement, ce livre, il envoie tous les bons messages, donc si vous cherchez une romance pas prise de tête, mais quand même avec des sujets assez importants et qui peuvent être un petit peu, pas lourds, mais vous voyez, très émotionnels, je pense que ce livre peut tout à fait le faire pour vous. En tout cas, moi, ça l'a fait. Au début, j'étais là, bof, bof, ça va être un 4 étoiles. Bon, un 4,5. À la fin, j'étais là, ok, c'est un 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bonbon 5 étoiles. Et je suis vraiment contente de l'avoir découvert avec vous pendant ce week-end, parce que ça en valait vraiment trop la peine. Donc voilà, je vous le conseille à 100% ce livre, en termes de comédie romantique, toute mignonne, young adult, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un young adulte qui se rapprochait autant des romances adultes, tout en étant avec encore plus d'émotions et encore sensible à certains sujets, j'ai envie de vous dire, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une romance, mais c'est aussi un contemporain, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, voilà, si vous voulez le découvrir, je pense que c'est une bonne idée. J'ai malheureusement pas eu trop le temps de lire les autres livres dont je vous ai parlé dans ce vlog, mais je vais les lire cette semaine. Et je sais pas quand le prochain vlog continuera, mais en tout cas vous aurez la continuité bien sûr, ou sinon dans mon update lecture du mois. Donc voilà, cette vidéo va s'achever ici, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être mis un peu de baume au cœur, de voir la plage, etc., de voyager un petit peu avec moi, en attendant que vous puissiez vous-même voyager à la plage. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut.